Bonjour Internet, comment ça va? En ce moment, je suis en amour sur la série d'Acrystal qui est juste fantastique. Si vous ne l'avez pas vue, foncez, vous le regretterez vraiment pas. J'ai décidé du coup de réaliser un look complet inspiré d'un des clans des Gelfling. Le clan que j'ai choisi est le clan des Dossan. J'espère pas me foirer dans l'accent. Si vous vous demandez à quoi il ressemble à ça ou encore à ça. Pour cette vidéo, je vais réaliser une paire de ballerines inspirées de ce clan. On y va, c'est parti. Je prends des chaussons de danse. Vous trouverez les liens des sites où l'on peut trouver ce que je vais utiliser dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à les regarder juste en dessous. Je les avais déjà personnalisées, mais jamais finies. Ici, j'avais recouvert les chaussons de satin et j'avais fait la couture en dessous pour que ça ne soit pas visible. Tout d'abord, je vais sécuriser les bords de la mousseline qui s'effilochait. Je découpe les petits fils. Et comme c'est du synthétique, j'utilise un briquet. Attention, c'est une technique délicate, faites attention à ne pas vous brûler. Ça va très vite. J'y avais aussi fixé un ruban doré, mais je n'aime pas le résultat, donc je vais l'enlever et faire autre chose à la place. Pour unifier la mousseline et le satin, je vais teindre le satin avec de l'encre acrylique. Je fais un mélange pur avec mes acryliques. Puis, je dilue avec un peu d'eau. Je vais faire un sorte de dégradé, de plus sombre à cause de la mousseline qui devient un peu plus claire en terminant sur le bout de la chaussure. Je dilue avec un peu d'eau. Je remets une couche d'encre pure en haut de ma chaussure pour justement avoir le côté plus intense en haut et en bas plus dilué. Je rajoute un galon pour plus de détails. Je le fixe entre la mousseline et le satin et je le couds à la main. Ça manque de doré et de brillant, alors je prends de l'acrylique irisé et du pigment doré, ce qui me fait une sorte de liquide un peu épais. Je l'étale au niveau du galon. Et une fois qu'il n'y a plus beaucoup de matière sur mon pinceau, je le dégrade en étalant au fur et à mesure pour vraiment déposer que quelques petites paillettes dorées en bas. Et aussi un peu au centre de la mousseline. Les semelles font un peu tache, blanches comme elles sont, alors je les repeins avec un peu de ce mélange. Je couds quelques perles sur le haut de la mousseline, puis devant la ballerine. Pour plus d'unité, j'utilise un fil doré pour coudre les perles. Je prends un cordon satiné doré et je réalise quelques boucles. Je les assemble et les fixe en faisant fondre leur extrémité. Et j'appuie avec des doigts mouillés. Je précise mouillés car ça va permettre de ne pas vous brûler. Je les couds ensuite sur la ballerine. Et les voilà toutes belles. Encore faut-il les fixer au pied. Comme j'ai enlevé les élastiques noirs disgracieux, je vais coudre un ruban pailleté doré. Je fais fondre les extrémités. Je les couds à la place des élastiques avec des boutons pression pour ne pas avoir à faire de nœuds. Je n'aurai qu'à croiser le ruban et à l'attacher de chaque côté de la ballerine. Voici donc les chaussures inspirées du clan des Dossan. Bien sûr, dans la série, on ne voit pas les pieds puisque ce sont des marionnettes. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de faire un look qui soit vraiment de A à Z. Donc d'aller des pieds jusqu'à la tête. Donc pour cette vidéo, c'était les chaussures, mais par la suite, il y aura le reste qui va venir au fur et à mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye! Thank you.